Monsieur Mohamed Mebarki, bonjour. Bonjour. La formation par apprentissage, une loi est en voie d'adoption. Vous la présenterez, monsieur Mebarki, demain au niveau de l'APN, l'Assemblée populaire nationale. C'est une loi qui a un objectif d'adapter le système de formation professionnelle aux besoins de l'économie nationale. En termes clairs, c'est quoi exactement cette adaptation? Est-ce qu'elle répond aux normes? Oui, demain, je présenterai, Inch'Allah, la loi sur l'apprentissage. L'apprentissage, je commencerai par dire d'abord que c'est un mode de formation parmi les trois modes de formation qui sont utilisés au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel, à savoir le mode résidentiel, donc dans les établissements de formation. Ensuite, le mode de formation à distance, qui est quand même connu depuis quelques années. Et puis le troisième mode de formation, qui est celui de l'apprentissage, qui se passe à 80% en entreprise économique ou chez l'artisan, et puis à 20% dans les établissements de formation professionnelle. C'est un mode de formation qui est aux normes, pour répondre très vite à votre question. C'est un mode de formation qui est largement utilisé par les pays développés, pour ne pas dire c'est le seul mode. Quand on parle de formation professionnelle, par exemple en France, en Allemagne ou en Suisse, quand on parle de formation professionnelle, on pense surtout à l'apprentissage comme seul mode de formation. Donc effectivement, c'est un mode de formation qui est aux normes. Mais ces adaptations visent entre autres à faciliter l'insertion des jeunes demandeurs d'emploi dans le monde du travail. Mais c'est le travail continu de la formation actuellement, c'est d'adapter, puisque plusieurs fois vous avez révisé la nomenclature de la formation professionnelle. Oui, l'adaptation de la formation aux besoins de l'entreprise en termes de ressources humaines, l'adaptation de la formation également à l'emploi, pour faciliter l'employabilité des jeunes, est une des stratégies, pour ne pas dire la stratégie la plus importante de notre secteur. Et ce mode de formation par apprentissage est un mode qui facilite le plus cette stratégie et cette politique. En ce sens que la formation se passe dans un poste de travail réel, avec des équipements réels de l'entreprise et avec des méthodes et un environnement et un encadrement réel de l'entreprise. Donc c'est le mode de formation qui est le mieux adapté aux besoins de l'entreprise économique et du développement économique et social du pays de façon générale. C'est également utile et adapté en termes d'adéquation entre la formation et l'emploi parce que il y a de l'efficacité. Quand un jeune est formé et diplômé par apprentissage, ça veut dire qu'il a appris toutes les règles, il a compris l'environnement, il a compris l'entreprise, son fonctionnement et surtout l'utilisation des équipements dont il a la charge. Et généralement, ceux qui sont formés par apprentissage trouvent du travail, ils sont retenus d'ailleurs dans les entreprises qui ont participé à leur formation dans un large taux de recrutement. Alors l'apprentissage, c'est la formation en milieu d'entreprise, mais est-ce qu'on peut considérer que les entreprises aujourd'hui adhèrent à ce principe ou est-ce qu'on va le rendre obligatoire? L'apprentissage est d'abord obligatoire par la loi. Il y a une loi qui fixe l'apprentissage comme étant une des charges, une des responsabilités aussi de l'entreprise. Vous savez, la dernière révision de la Constitution a constitutionnalisé le fait que l'apprentissage doit être une priorité du gouvernement et le gouvernement est chargé d'assurer sa promotion justement pour faciliter l'employabilité des jeunes et lutter contre le chômage. En ce sens, je dis que c'est aussi la responsabilité de l'entreprise économique parce que, en fonction de la taille de l'entreprise, il y a un nombre d'apprentis à apprendre et ça, c'est une obligation de la loi. Ceux qui font défaut, je veux dire ceux qui ne prennent pas d'apprentis alors qu'ils sont
chargés de le faire sont soumis à une taxe d'apprentissage de 1% de leur masse salariale à verser à un fonds qui est utilisé par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnel pour qu'en retour, il assure de la formation continue aux travailleurs de l'entreprise de façon générale. Mais justement, ce fonds de l'apprentissage, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il a servi à améliorer la qualité de la formation? Parce qu'on sait que récemment, vous en avez parlé, il a été institué dans les années quasiment 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, il a amélioré, il a permis, c'est-à-dire c'est des financements supplémentaires, ont permis d'améliorer la question de la formation? D'abord, je dois avouer que l'entreprise algérienne participe largement à la prise en charge de l'apprentissage. Pour ceux qui sont amenés à verser la taxe de 1% de l'apprentissage, effectivement, ils l'ont fait de façon correcte et le fonds, le FNAC, le Fonds national de l'apprentissage de la formation continue, est alimenté par l'entreprise. Mais malheureusement, jusqu'à la fin 2016, début 2017, ce fonds n'était pas utilisé. Et le programme de formation continue à l'endroit des travailleurs des entreprises n'était pas bien assuré parce qu'il y avait un problème au niveau juridique et il y avait une mauvaise définition du système, de la nomenclature des dépenses de ce fonds qui est le FNAC. C'est à l'occasion de la loi de finances 2016 que les choses ont été corrigées et que la nomenclature des dépenses a été corrigée. Et maintenant, on peut prendre en charge un certain nombre d'actions et d'activités dans le cadre du FNAC. Ça a commencé en 2017, ça va se continuer en 2018 et à l'avenir pour prendre en charge, par exemple, tous les produits, toute la matière d'œuvre qui est utilisée par l'apprenti en entreprise. Ça va être utilisé pour aider à la formation préliminaire des maîtres apprentis. Ça va aider et participer à l'indemnisation des maîtres apprentis. Et également, ça va contribuer à prendre en charge une partie des présalaires versés aux apprentis. Mais justement, par rapport à ce FNAC, quelle est sa dotation financière aujourd'hui, M. Mebarkis? Est-ce qu'il y a une estimation? Enfin, il est bien doté financièrement, hein, parce que c'est des taxes qui ont été cumulées depuis quelques années. Bon, le chiffre importe peu. Le plus important, c'est que maintenant, on a une nomenclature de dépenses qui nous permet de faire notre travail et de prendre en charge la formation continue des travailleurs. Alors, l'apprentissage est obligatoire, il a été même constitutionnalisé. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que partant de ce principe, on peut rendre entre l'âge de 16 ans et 18 ans la formation obligatoire? La formation, elle est obligatoire, bon, chacun le sait, jusqu'à 16 ans, l'enseignement est obligatoire dans notre pays. La formation professionnelle est ouverte à partir de 16 ans dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre également de la formation initiale en présentiel. Elle est mise à la disposition. Les jeunes viennent de plus en plus maintenant à la formation professionnelle. Donc l'obligation, vous savez, à partir d'un certain âge, je pense que l'État a joué son rôle en termes d'assurer, quand il assure jusqu'à 16 ans l'enseignement obligatoire, et les jeunes sont déjà prédéfinis, ils sont déjà déterminés dans des voies de formation, d'enseignement, pour des études ou même pour se préparer à une insertion professionnelle. Mais si on se réfère par exemple aux chiffres par rapport à cette question de déperdition scolaire qui sont très très importants et sont pratiquement l'équivalent de 1 million, ça a été annoncé par la ministre de l'Éducation nationale. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, vous n'arrivez à en inscrire que l'équivalent de 600 000 stagiaires annuellement pour les deux pratiquement sessions, celle d'octobre et celle de février. Est-ce qu'on peut considérer que les chiffres pourraient évoluer si on prend en considération l'importance de la formation pour l'insertion professionnelle en milieu du travail?
Bon, le chiffre de la déperdition, je ne pense pas qu'il y ait un million de déperditions pratiquement, scolaires. Presque, 900 000, quelque chose. Je pense que c'est trop élevé. Moi, le chiffre que je connais, que je connaissais il y a une année, un peu plus peut-être, c'est entre 450 000 et 500 000 déperditions scolaires. Le plus important de ces 500 000, c'est au niveau du lycée. Donc, les élèves ont déjà accompli l'obligation des 16 ans d'enseignement. Cette année, on a un chiffre que je peux rappeler, qui est peut-être significatif. Avec le ministère de l'Éducation nationale, on mène une campagne de sensibilisation et d'orientation au niveau des sortants du moyen, du sortant d'une manière ou d'une autre. Sur les 200 000 orientés vers la formation professionnelle, la moitié seulement a rejoint effectivement la formation professionnelle. Donc sur les 200 000 qui sortent du système éducatif annuellement, il y a eu quand même 100 000 qui ont été captés au cours de la première session d'inscription de la formation professionnelle. C'est la raison pour laquelle il y a deux sessions. Nous pensons que beaucoup des 100 000 qui restent vont rejoindre au cours de la deuxième session de la formation professionnelle. Mais au bout du compte, je pense que même s'ils ne s'inscrivent pas automatiquement dès leur sortie des lycées, beaucoup des lycées et du moyen, beaucoup rejoignent la formation professionnelle un peu plus tard. Mais est-ce que vous avez la capacité aujourd'hui, de façon concrète, à prendre plus de 600 000 stagiaires annuellement ? Sur le plan des capacités physiques, nous avons absolument, au niveau de notre secteur, tous les moyens pour prendre en charge encore beaucoup plus de jeunes en formation et en enseignement professionnel. Il y a actuellement un réseau de formation de quelques 1200 50 établissements répartis au niveau du pays et qui peut répondre en plus de la prise en charge par l'apprentissage. J'ai dit que c'est en entreprise que la formation se déroule et à ce niveau, cette année par exemple, on a inscrit plus de 220 000 en apprentissage. Donc actuellement, le chiffre est de 700 000 inscrits au niveau de la formation et de l'enseignement professionnel, mais nous pouvons aller bien au-delà, parce que les sections et les ateliers qui fonctionnent aujourd'hui avec, disons, 12-13% de leur capacité peuvent aller au-delà, et on peut augmenter la prise en charge de jeunes, de beaucoup plus de jeunes, que les 700 000 qui sont inscrits annuellement au niveau du secteur. Vous pouvez aller jusqu'à combien ? 300 000 supplémentaires, 200 000 un peu moins. 300 000 à 400 000 supplémentaires en faisant utiliser tous les modes de formation professionnelle, l'apprentissage, la formation à distance et la formation présentielle. Alors, M. Mohamed Mbarki, moi, je voudrais revenir un peu sur la dernière déclaration que vous avez faite dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous êtes actuellement avec des capacités de 700 000. Vous pouvez prendre encore 300 000 stagiaires supplémentaires. Mais pour intéresser les jeunes, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? Est-ce qu'il faut adapter impérativement les formations en fonction des besoins du marché? Puisque vous avez déclaré récemment que le numérique, c'est l'avenir de l'Algérie et de la formation. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer l'information et la communication. Ça, c'est le premier point. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents ne connaissent pas exactement toutes les possibilités qui sont offertes par la formation professionnelle en termes d'ouverture de spécialité, d'ouverture de diplômes et de toutes les possibilités. De possibilités également d'internat. Tout ça, il faut absolument qu'on continue. Nous avons commencé à le faire. Et organiser une campagne de communication permanente à l'endroit des jeunes. Deuxième chose, il faut organiser également un système d'orientation sur lequel il faut beaucoup communiquer au niveau de la société, un système d'orientation qui soit pris en charge par au moins les deux segments du système éducatif, qui sont l'éducation nationale et la formation professionnelle. Là aussi, il y a beaucoup de faiblesses dans notre système d'orientation. Troisième action qu'il faut absolument mener, et ça c'est notre responsabilité au niveau du secteur, c'est
améliorer, actualiser les formations et l'enseignement professionnel, les adapter aux réalités actuelles de l'économie du pays. Mais justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Nous sommes en train de le faire. D'abord, à travers le renouvellement et l'acquisition d'équipements technico-didactiques qui servent dans nos ateliers à la formation, à une formation moderne. Nous sommes en train donc de moderniser notre outil de formation. Nous sommes également en train d'axer notre travail sur la formation des formateurs, notamment par l'actualisation de leur formation. Vous savez, la formation professionnelle, la formation au métier, c'est pas comme une formation, plutôt un enseignement académique où les connaissances sont immuables pendant des années. La formation professionnelle, elle se développe et elle évolue en fonction de l'évolution des métiers, des techniques et des technologies. Et c'est comme ça que nous tenons à actualiser la formation de nos formateurs. Nous sommes aussi en train d'améliorer notre organisation et la gouvernance de nos établissements pour les rendre visibles, pour rendre plus intéressantes aux yeux de la société cette formation professionnelle. Quelque part, nous sommes en train de réussir dans cette voie puisque les choses et le manque d'engouement qu'on constatait il y a quelques années est en train de reculer. Les jeunes commencent à s'intéresser à la formation professionnelle, des jeunes qui sont bacheliers, qui viennent vers la formation professionnelle pour préparer des diplômes de technicien supérieur dans un certain nombre de spécialités très demandées et qui assurent leur avenir professionnel. Mais quelles sont les spécialités que vous encouragez actuellement, M. Mebarki, au niveau de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, puisqu'on va aborder aussi cette question? Nous encourageons toutes les disciplines, toutes les spécialités qui constituent un besoin pour le développement de l'économie. Vous savez, la définition des contenus, des programmes, des spécialités, on ne le fait pas tout seul dans nos bureaux, mais avec les conseils de partenariat, donc où participent beaucoup d'entreprises. On le fait au niveau des wilayas, au niveau des commissions de partenariat, où également tous les partenaires et tous les utilisateurs de ressources humaines participent sur la responsabilité des WELI. Nous développons également des spécialités en fonction des bassins industriels, en fonction des besoins de l'économie. Voilà ce que nous sommes en train de faire pour améliorer nos performances au niveau du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tous nos centres de formation sont certifiés, M. Mebarki, répondent aux normes de formation? Ils sont certifiés, bien sûr qu'ils sont certifiés. La preuve, c'est que nous formons quelque 240 000 diplômés et qualifiés par an. Les 240 000 sont pratiquement tous pris en entreprise. On entend de moins en moins des reproches qui sont faits sur la qualité de la formation de ceux sortant du système de formation professionnelle. Ensuite, par exemple, pour tout ce qui est formation dans l'informatique, dans l'électronique, toutes les formations que nous assurons, je dis bien toutes, elles sont certifiées par des organismes internationaux, par des académies Cisco, par les académies Hawaii, par toutes nos formations en informatique sont certifiées et les porteurs de ces diplômes peuvent travailler là où ils veulent, ici en Algérie, dans des entreprises nationales, étrangères ou à l'étranger, leur diplôme est certifié, reconnu. J'ai donné l'exemple de l'informatique, mais tous nos diplômes sont pratiquement tous aux normes et en vise encore le standard international. C'est pour ça d'ailleurs que le travail en partenariat avec l'entreprise économique, en particulier les entreprises qui sont leaders dans leur domaine, est une priorité chez nous. Également, le travail en partenariat avec des entreprises étrangères a été une de nos priorités depuis quelques années et ça donne ses fruits. Mais qui assure aujourd'hui la formation des formateurs et est-ce qu'il y aura de nouveaux recrutements au niveau de votre secteur, M. Mebarki? Ce qui assure la formation des formateurs, ce sont les réseaux pédagogiques. Nous avons 6 établissements qui ne s'occupent que de
des programmes et des spécialités nouvelles à ouvrir et qui ne s'occupe aussi que de la formation des formateurs. Six établissements d'ingénierie pédagogique qui ne font que ça, animés par des inspecteurs, animés par des enseignants gradés pour actualiser les formations dans les différents domaines. De nouveaux recrutements en perspective ? Oui, pour les enseignants, nous recrutons, nous sommes en train de recruter des placards publicitaires qui sortent tous les jours pour recruter des formateurs. Nous avons eu l'autorisation d'aller jusqu'à 2000 formateurs à recruter au cours de cette année. Ils seront destinés en particulier aux 20 établissements nouveaux que nous ouvrons dès février 2018. 20 établissements entre CFPA, INSFP et IEP qui vont ouvrir donc les formateurs. Et puis les formateurs aussi que nous recrutons seront destinés aux spécialités nouvelles que nous avons décidé d'ouvrir au cours de cette année. Lesquelles, par exemple, ces spécialités nouvelles, M. Mébarki ? Les spécialités nouvelles dans la nomenclature ne sont pas nombreuses. Il y a 3 ou 4 en particulier dans le secteur du numérique et de la téléphonie. Mais quand je dis spécialité nouvelle, je parle des wilayas, parce que les wilayas puisent dans la nomenclature des spécialités et des branches et élargissent le champ des spécialités à chaque fois. Quand une wilaya ouvre une spécialité qui existe déjà dans la nomenclature, mais qui est nouvelle pour elle, il faut bien la doter en équipement technico-didactique, et en enseignant spécialisé. Alors, Monsieur Mébarki, vous avez déclaré tout à l'heure qu'au fait, il y a un problème de communication pour un engouement plus important des jeunes et des parents vers la formation et l'enseignement professionnel. Si les parents et les jeunes restent toutefois réticents, est-ce que c'est parce qu'il y a cette frilosité du gouvernement à faire évoluer l'enseignement professionnel vers le bac professionnel, même si on a mis en place l'équivalent qui ressemble à peu près au brevet de l'enseignement professionnel? Quel est votre commentaire justement par rapport à cette question, Monsieur Mébarki? D'abord, je n'ai pas dit qu'il y a un problème de communication, j'ai dit qu'il faut améliorer la communication. Et quand je parle de communication, c'est l'affaire de tous. Ce n'est pas uniquement la communication institutionnelle, du ministère ou du gouvernement. Ça, je pense qu'on le fait. Mais c'est aussi la responsabilité de la société politique, des partis, des élus en particulier. C'est aussi la responsabilité de la société civile de faire évoluer tout ça. On commence une campagne de communication pour la prochaine rentrée de février, du 25 février 2018. Nous comptons sur d'abord les médias pour nous accompagner pour cette... Donc pour la communication, c'est pas un problème. Nous sommes en train d'y travailler et d'améliorer. La question n'est pas s'il y a une faiblesse dans l'engouement des jeunes à aller vers la formation et l'enseignement professionnel. Ce n'est pas cette question de bac professionnel. Parce que le bac professionnel concerne une partie de notre activité qui est l'enseignement professionnel. C'est vrai que beaucoup de jeunes sont intéressés par les spécialités développées en enseignement professionnel, mais ces jeunes-là pensent que tant qu'il n'y a pas de possibilité d'accéder à un enseignement supérieur professionnel, ils ne s'orienteront pas vers l'enseignement professionnel. Nous sommes en train de régler ce problème à travers, bon, vous venez d'en parler très vite, le brevet de l'enseignement du brevet de l'enseignement professionnel, en fait, d'une nouvelle architecture des diplômes de l'enseignement professionnel. Le brevet de l'enseignement professionnel n'est rien d'autre que le bac professionnel en termes de ce qu'il octroie comme droit dans l'insertion professionnelle. C'est exactement au même niveau que permet un bac, au niveau de la poursuite des études supérieures. Également, il permet de poursuivre un brevet d'enseignement professionnel supérieur, mais ce n'est pas à l'université. Il n'est pas exclu par le gouvernement. Le gouvernement a laissé la porte ouverte quand il a décidé de cette nouvelle architecture de l'enseignement professionnel, des diplômes de l'enseignement professionnel. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir, dans un avenir très proche, on organise une formation
supérieur de niveau 6, c'est-à-dire de niveau de licence. Oui, mais justement, pourquoi cette frilosité du gouvernement à faire évoluer l'enseignement professionnel en bac professionnel? Puisque le bac professionnel, la question avait été déjà posée en 2001, mais par qui? Pas aujourd'hui. Oui, mais... Et puis après, on l'a zappé totalement. Je ne vois pas pourquoi vous parlez de frilosité, puisque les choses sont en train d'avancer, le problème est en train de se régler. Donc, Alors, des questions des auditeurs, monsieur Mebarki, aujourd'hui. Pourquoi le niveau du système de la formation professionnelle, notamment pour certains métiers, reste relativement bas et souvent, nous ne trouvons pas à notre portée une main-d'œuvre qualifiée, la raison pour laquelle souvent, dans certains chantiers, on recourt à une main-d'œuvre étrangère. Il n'y a pas une spécialité qui n'existe pas, une spécialité dont a besoin le secteur économique qui n'existe pas dans la nomenclature. Il est possible que nous ne formons pas suffisamment dans cette spécialité, mais pour dire que la formation n'est pas au niveau, ça je pense que... je suis fermement convaincu que c'est faux, parce que ce genre de reproche qu'on nous faisait il y a quelques années, je ne l'entends plus beaucoup. Quand je discute avec les chefs d'entreprise, il y a quand même une satisfaction qui est exprimée par rapport aux produits de la formation professionnelle. Quelles sont les entreprises aujourd'hui qui sont impliquées pour l'apprentissage de façon concrète, M. Mebarki? Autre question d'une auditrice. Toutes les entreprises sont impliquées dans l'apprentissage. Beaucoup reçoivent des apprentis en leur sein, participent à la formation d'apprentis. Celles qui ne participent pas directement par la prise en charge d'apprentis participent par le versement de la taxe de l'apprentissage au fonds qui est destiné à cet effet. Alors justement, par rapport à ce fonds, il y a cette question de l'auditrice qui dit « Les sociétés ont une partie de leur budget destinée à la formation du personnel, 1% de la fiscalité, alors que pour beaucoup d'entre elles, ce budget est détourné pour les voyages touristiques sans bénéfice ou bien retourné au trésor. Comment favoriser aujourd'hui la formation continue des jeunes cadres, des sociétés privées et publiques ?» Bon, c'est une question qui... relève de mon point de vue de beaucoup de subjectivité, je ne peux pas répondre à ce genre de... Moi, je sais que la taxe qu'on reçoit de ces entreprises participe et contribue à l'organisation de la formation continue des travailleurs des entreprises. Beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous travaillons en des programmes de formation de leurs travailleurs, beaucoup de travailleurs assurent leur promotion à travers des formations et l'acquisition de nouveaux diplômes. Si nous sommes passés de quelques 16 000 travailleurs formés par la formation continue au cours des années 90, nous sommes maintenant à plus de 35 000 travailleurs qui sont formés annuellement dans le cadre de la formation continue. Donc je pense que c'est quand même un travail qui se fait de façon régulière et de façon transparente. Alors, est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la situation actuelle que traverse le pays, le secteur de la formation de l'enseignement professionnel demeure un secteur prioritaire pour le gouvernement, pour la formation des jeunes? Le secteur de la formation professionnelle demeure, je l'affirme avec toutes mes forces, un secteur prioritaire, d'abord parce que il contribue comme un segment du système éducatif national à prendre en charge la demande sociale de formation, et ensuite parce qu'il répond à la formation aussi de ressources humaines qualifiées pour les besoins du secteur économique, et ce sont là deux priorités pour le gouvernement, pour l'État algérien. Il ne peut pas s'en passer de cette responsabilité. Il ne connaît pas de restrictions budgétaires. Il ne connaît pas de restrictions budgétaires, sauf si vous appelez l'appel à l'utilisation plus rationnelle des moyens qui sont octroyés à ce secteur comme étant de la restriction budgétaire. Il n'y a pas de restriction budgétaire puisque nous continuons à réaliser des établissements, à construire des établissements dans les endroits où il y a des besoins. Nous continuons à
recruter des formateurs parce qu'il y a un besoin continu de former et de recruter des formateurs pour les spécialités nouvelles, pour les établissements nouveaux que nous ouvrons. Nous avons ouvert cette année 20 établissements nouveaux. Donc, ce n'est pas un secteur qui est à l'arrêt. Alors, comment peut-on acquérir une expérience professionnelle juste après la formation, sachant que les entreprises actuellement exigent l'expérience professionnelle? C'est vrai, hein, c'est un problème. C'est pour ça que pour l'apprentissage, dans le cadre de la loi que je vais présenter au Parlement à l'APN demain, nous avons introduit une disposition qui permet aux entreprises de recruter les apprentis, ceux qui sont sortis de par apprentissage, ceux qui ont été formés et diplômés par apprentissage, de les recruter sans passer par les exigences et les critères du ministère du Travail, en particulier le passage par l'ANEM. Mais vous dites aujourd'hui que les jeunes sortis de la formation professionnelle trouvent plus facilement d'embauche que ceux sortis de l'université. Est-ce qu'avec l'ANEM et avec, le ministère du Travail, vous avez des indicateurs chiffrés réels, monsieur Mebarki? Je n'ai pas dit par rapport à l'université, mais j'ai des chiffres, oui, bruts, comme ça, qui ne sont pas comparés à d'autres, parce que je ne les connais peut-être pas. L'ANEM dit, par exemple, que sur le premier... Non, pas le premier semestre. C'est jusqu'à fin novembre, jusqu'au 30 novembre 2017, sur les 11 mois de l'année 2017, 93% des demandeurs d'emploi diplômés de la formation professionnelle ont trouvé du travail en moins d'une année. 83% ont trouvé du travail en moins de 6 mois. Et c'est sur un chiffre important, sur 240 000 diplômés de la formation professionnelle inscrits à l'ANEM. L'ANSEJ également donne sur les 11 premiers mois de l'année 2017 un chiffre qui est aussi tout à fait honorable, puisque 63% des porteurs de projets de l'ANSEJ sont des sortants de la formation professionnelle. Donc cela remet en cause aujourd'hui ce qui se disait par le passé, c'est qu'en fait nous on formait que des chômeurs. C'est pas le cas. Non, c'est la plus le cas. La formation professionnelle ne forme pas de chômeurs. Je viens de donner des chiffres, c'est des chiffres qui ont été donnés par un ministère qui est en charge de cette question, et je ne pense pas qu'ils peuvent être remis en cause comme ça facilement. Monsieur Mohamed Mebarki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Et merci aux auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. Merci.